Téléstar, quelle est l'originalité de ce nouveau jeu télé? Hélène Manarino, avec moi en plateau, il y a 150 candidats répartis en 3 groupes d'âge, les 18-34 ans, les 35-49 ans et les plus de 50 ans. Je ne les appelle d'ailleurs pas comme ça pendant l'émission. Je leur ai plutôt trouvé des surnoms. Chaque tranche est représentée par 2 invités qui en profitent pour vérifier leurs connaissances. Si est familial et bienveillant. Et la bienveillance, si est primordial. Comment vous sentez-vous dans le rôle d'animatrice de jeu? Je suis heureuse de porter le grand quiz. Je m'y suis totalement investi. Mes parents sont venus assister au tournage de la première, c'était émouvant. Je n'ai pas arrêté de pleurer. J'ai essayé d'y mettre ma grippe, en allant chercher des infos sur les invités, comme je l'ai fait toute la saison sur Europe 1 dans ma chronique, le portrait inattendu. Et puis, il y avait une bonne ambiance, une bonne interaction entre le public et les invités. Votre quiz ne ressemble-t-il pas à d'autres? On pense à que le meilleur gagne de Nagui, dans les années 1990. Il y a de très nombreux quiz. Mais là, la formule est différente. Il y a beaucoup d'anecdotes, des illustrations pour certaines réponses. On vous a déjà vu en prime time, en décembre dernier, sur TMC dans Rétroscopie, où vous remontiez le temps avec un invité. Travaillez-vous déjà sur un prochain numéro? Si est-il probable qu'il y ait d'autres numéros de cette création originale car on a fait 1 million de téléspectateurs. Restez-vous sur LCI en septembre? On parle de vous pour la matinale avec Stéphane Etcheverry. Je ne souhaite pas en parler pour l'instant. LCI, si est-il ma famille, l'info si est-il mon socle. Que diriez-vous de co-animer Danse avec les stars à la rentrée? Je ne veux pas être partout et m'éparpiller. Je présente déjà Appel d'urgence et les grandes séries documentaires sur TFX. À quoi ressembleront vos vacances cet été? Je prends 1 mois et demi avec des amis et ma famille, 1 semaine en Bretagne avec mes parents, j'irai dans mon cher Pays Basque et je ferai un tour à Marseille aussi.